Ouais, après le Warrior, si on fait des boss, si on... Après le Warrior, si on fait juste des mobs, je me... Je resterai sur ce perso, mais si on fait des boss, je me connecterai sur un niveau 62. Du coup, je one-shotterai tous les boss. Ouais. Mais là, j'ai besoin de... J'ai besoin d'être sur ce perso, parce que sinon, j'aurai pas le niveau mode de difficulté. Ouais. Bon, là, ça fait deux fois que je fais la fin. Voilà. Du coup, ça va débloquer le gage. On va voir. Pile à l'heure. La clé est presque prête. Mais... Voilà, je termine l'ultimate one. Je vais manger ma fille. Je vais essayer de mitraille le RPG. Il y a quelqu'un qui peut. Ouais, merci. Comme c'est gentil. Merci. Ouais, j'arrive, j'aurai la reste. Voilà pour toi. Voilà. C'est tout, hein? Bah lance-missile, il est pas... Il n'est pas réceptif, il est plus réceptif au pistolet corrosif, apparemment. Mais la bête lance-missile est mieux, mais j'ai pas mal de gaspillé de missiles avant de m'en apercevoir. J'ai gagné! La plus grande puissance alien de l'histoire de Pandore est enfin entre mes mains! Apparemment je suis pas le seul pour une chose aussi. Au moins les sirènes on peut se respecter. Hein.
Merde, un peu des grenades. Ah, des grenades. Oh, quel saut fabuleux. Il m'a envoyé outre grenade. Là, je vais lui... Merde. Merde. Ah. Ouais, je sais, mais... ça fait... Ça allait vachement sur lui. Il faut que je foute mes grenades super... J'ai des grosses grenades. Ah, j'arrive. Okay. Ouais, voilà. Bienvenue dans mon humble échelon. Mon millionième client. Ah, okay. La c'est maison ne rembourse pas. Vendu. Amuse-toi bien, surtout. Je vais lâcher avec mes grenades. Ok. Je vais le terminer quoi. Ah non, peut-être pas. Des oiseaux. Ouais, vas-y, aide-moi. J'ai abandonné parce que si on me retrouve en même temps, ça va risser de voir rien. Ouais, des oiseaux. Ah, cool. T'es où, toi? Il y avait quelqu'un qui était mort. Je sais pas où. Ah, merde. Nice, il a drop un volcano. Il a drop un sniper légendaire ici. Pas des mains de en plus, c'est un bon sniper. Ça. Jack, il est au niveau 52. Je ne peux pas mourir de la main d'un psychopathe tueur d'enfants. La dernière fois, je l'avais tué direct, j'avais pas vu parler. C'est un barbare. Vas-y, reste debout. Reste avec nous un peu. Tu es un bandit. Avec ta cicatrice. Et c'est moi
Ah, tout ce que... Si tu le tues pas, c'est l'élite qui va le tuer. Donc si tu le tues pas, il y aura marqué de laisser l'élite le tuer. Et si tu parles à l'élite, elle va le tuer. Ouais, dans le 3, on voit que c'est l'élite qui tue, en fait. Avec ses moxies, il est trahi. Et... Enfin bon, il lui arrive tout un tas de trucs. C'est la fin, chasseur de l'arche. C'est à toi que revient l'honneur. Si quelqu'un mérite de tuer Jack, c'est bien toi. Il y a un sniper légendaire ici dans son mode. Je l'utiliserai probablement pas, donc c'est probablement mieux si vous le prenez. Ouais, j'ai un bleu à 17 000 et le légendaire il est moins fort, moins costaud, mais. Gentleman Volcano. Le légendaire il a 43% de dégâts. De chance d'avoir les dégâts de feu, il fait 3000 par seconde après. Hein. Exact. Exact. Je le prends quand même. Sentimax chargeur. Ah merde. Non, attends. Laisse-moi faire. Vaut mieux pas que tu la touches, crois-moi. Ouais, ralentis. J'ai failli l'acheter quand même. Vite. Qu'est-ce que vous foutiez il y a 5 minutes? Sans le chasseur de l'arche, on serait déjà tous morts. C'est sa façon de nous dire qu'on a gagné. Il y a un mode matriage qu'il faut que je récupère. Si je revois cette clé un jour, c'est juré, j'en fous en l'air. Dans ta face, saloperie d'allié. Est-ce que... Non, vous allez avoir eu des vaches, je commence. On peut zapper le... peut-être... C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on va tomber sur la... Pas de répit. Le... Ouais, là, on tombe sur deux. Mais... On peut le zapper le générique, non? Yes. Ok. Oui, on peut le zapper. Bah, je crois qu'il y a eu une fenêtre qui nous a donné du VMH, mais je l'ai... Vu que j'ai spammé la touche échappe, ça l'a annulé. D'accord. Mais vous l'avez, normalement. Normalement, on l'a tout ça. Si vous quittez, vous aurez un troisième mode de jeu. 4... Mais vous pourrez toujours pas passer du niveau 50 au 51. Il vous faut l'extension pour ça. Qui m'a... Ah non. Ah, ok. Chargeur. Ok. Rien, rien. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des persos au-dessus du niveau 50, c'est, ça marche exactement pareil que pour le niveau 30. Donc vous pouvez vous connecter avec vos persos au niveau 60, 70, 72, peu importe. Et vous pouvez rejouer comme du niveau 50. Enfin, personne ne le fait parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est pas très difficile. Ouais, bah je vais mâcher les extensions là. Donc, par exemple, le bazooka que j'ai en ce moment, il fait 31 millions de dégâts par coup. Et voilà, bah, du coup, 31 millions de dégâts sur n'importe qui. De toute façon, je vais m'acheter les extensions donc. Ouais, pas grand chose en fait. C'est pas mal quoi. Ah si, le. Oh, il y a eu ton sniper légendaire. Le Rocket Pocket, le bombardeur, il est. Ah non. 64 000. Ouais. 64 041. Oui.
Pas 3. Je sais pas ce que ça donne en fait. Vitesse de charge, ah c'est la vitesse de charge. Probablement le meilleur truc que tu peux avoir sur Jack, c'est un fusil à pompe légendaire. Il s'appelle le Conference Call. Et il est vraiment très très fort pour farmer des boss, il est très précis, il tire très vite. C'est l'un des items que les gens ont en fin de jeu. Même au niveau d'accord. 72, c'est très très fort. Ah, okay. Mais il n'a pas une énorme chance de le loot, et en plus de ça, le problème du Warrior, c'est qu'il loot beaucoup de légendaires différents. Donc déjà, il a 10% de chance de loot un légendaire, et ensuite, vu qu'il loot genre 5 ou 6 légendaires, finalement, t'as pas beaucoup de chance d'avoir ce fusil à pompe. Mais il y a un autre moyen de l'avoir qui est beaucoup mieux, mais il faut un DLC pour ça. Là, on a un fusil à pompe, je sais pas si ça t'intéresse. On a looté... Normalement, les fusils à pompe, il y en a que très peu qui sont bons, et à part ce shotgun, j'en connais pas d'autres. Ouais. Ouais, c'est le Sledge Shotgun, mais il est niveau 43, non, il est pas... Non, j'aime pas trop le Sledge. Non, sinon... Le Butcher, il est très bien aussi. Là, j'ai le Three-Way Hulk. C'est un bleu que t'as en récompense de quête, ça, non? Dans Map the Dust? Je suis pas sûr. Alors ouais, je sais pas du tout, je me rappelle plus, j'ai vu qu'il était plus puissant. Enfin, ouais, bon, j'ai pas d'autres armes à part ce que tu voulais là, je pense pas que ça t'intéresse. Non, c'est bon, bah sur Sirène, je suis content avec mes armes en ce moment. Uh-huh. Moi, il me manque un bon bouclier légendaire explosif Nova, quoi. Un bon bouclier légendaire, ce serait pas mal. Les légendaires, si tu veux, je crois que le meilleur bouclier que tu puisses avoir, surtout sur Sirène en plus, il est vraiment bien sur Sirène, c'est tu le farmes sur un mini boss que tu obtiens grâce à la mission Monster Mash. C'est une mission que Zen te donne où il faut tuer des créatures. Et attends, mais je sais pas, regardez si tu veux. Ouais, je sais pas. Ouais, tu as cette mission. Ouais, c'est une mission. C'est laquelle? C'est dans The Dust. The Dust? Et c'est laquelle? Ouais, c'est celle où il faut tuer des spiderans. Ouais. Les araignées. Et c'est une mission en trois parties, il faut faire les trois parties. D'accord. Et là, il donne. Dans le mode Ultimate 2, il te donne un bouclier légendaire. Il le donne pas, c'est que t'as pas mal de mini-boss qui spawn que si tu fais une certaine mission. Ouais. Et cette mission, ça va te permettre de débloquer ce mini-boss. D'accord. Et ce mini-boss, il a genre 3% de chance de looter le bouclier. D'accord, ouais, ok. Waouh. Donc, ouais. Bah, okay. Moi, je crois que j'ai passé 4 heures pour l'avoir sur mon 72. Ok. Et ouais, c'était un peu long. Donc j'ai dû le tuer, je sais pas, peut-être 70 fois avant de l'avoir, enfin... D'accord. Pas évident. Bon bah... Je sais pas. Ouais, donc il est quand même pas donné, faut le mériter ce bouclier, mais... Ouais. Mais, donc c'est pas très rentable de le farmer au niveau 50 si tu peux passer niveau 51, 52... 1-1. Ouais, j'ai fait pas mal de kills là, et j'ai pas comme j'étais bloqué, j'ai pas du tout fait de points. Voilà, donc du coup... Bah, tant que tu level up, c'est pas rentable de fermer les légendaires. Ouais. Mais si tu décides de t'arrêter au niveau 50, que tu prends pas les DLC, bah, là tu peux optimiser ton stuff. Non, je vais prendre l'extension. Mais c'est justement, c'est pas une extension DLC, elle est marquée sur Steam, elle s'appelle comment cette extension? Je sais pas. Elle s'appelle UVM. UVM. Partie 1. Ouais. Ah d'accord. Attends, je vérifie. Ouais. Je vérifie le nom exact. D'accord. UVMH partie 1. Mode de plus. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé le nom exact. Ça s'appelle Ultimate Vault Hunter. D'accord. Upgrade 1. D'accord. Et Upgrade 2, il y a aussi. Non, il y a que Upgrade 1. Et ensuite, t'as l'Upgrade 2. D'accord, ok. Pour passer les 61-72. D'accord, bon bah je vais trouver, je vais me débrouiller. Hop là, bah celui-là, je vais
je bouge dessus.